sein de l'UDPS, Tshisekedi, tentative d'assassinat de Donald Trump. Nouveau rapport des experts des Nations Unies mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Voici l'ossature de votre émission Grande Tribune. Nous sommes lundi 15 juillet 2024. Nous sommes maintenant depuis Kinshasa, capitale du Congo démocratique. Deux invités sur ce plateau que vous connaissez très 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 bien. À ma droite, pour mettre Monsieur Freddy Moulumba, politologue, chercheur et journaliste chevronné. Et bienvenue à nouveau, Monsieur Freddy Moulumba. Merci beaucoup. À ma gauche, le professeur Eddy Yeni, politologue, également dans ce domaine, également chercheur également. Bienvenue, professeur Eddy Yeni. Merci. Mesdames et messieurs, voici quelques lignes d'actualité pour vous. Avant justement de lancer le sujet, la ministre des Droits humains a proposé aux membres du Conseil des ministres que la journée du 2 août de chaque année soit déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national pour le génocide congolais. Elle souhaite qu'une semaine de prière œcuménique soit organisée à cette année. À ce sujet également, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour donner un large écho à la commémoration du 2 août 2024 à travers le pays et dans nos représentations diplomatiques à l'étranger. Le gouvernement fait également état d'un renforcement continu en personne et en matériel en provenance tant du Rwanda que de l'Ouganda à la faveur de la trêve humanitaire. Face aux humiliations que nous subissons chaque jour et la menace d'implosion qui guette notre pays, les Congolais ne demandent pas mieux que de voir leur armée riposter puissamment contre l'agression et bouter dehors les ennemis de notre peuple plutôt que de subir des épisodes d'intimidation. Dans l'actualité également, l'UDPS, parti présidentiel, vit des moments sombres de son histoire. Plus de 30 secrétaires nationaux désavouent Augustin Kabuya dans une déclaration politique lue le jeudi 11 juillet. Il l'accuse de manque de vision, de l'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidence du parti, les clientélismes politiques dans la gestion des enjeux. En réaction, Augustin Kabuya dit ceci, je cite... Donc, je vis, je reste, Augustin Kabuya reste le secrétaire général du parti. Je suis également président intérimaire de ce parti présidentiel. L'audio largement partagé sous les réseaux sociaux lui attribuant la critique contre la première dame. Je vais être obligé de me défendre comme quelqu'un qui est agressé, qu'il pleuve ou qu'il neige. Augustin Kabuya est légitime et légal, dit-il. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, sans oublier que l'information de Donald Trump, qui s'est fait tirer dessus lors d'un meeting en Pennsylvanie, il a été évacué de la scène, il est blessé, est en convalescence. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission, comme je l'ai dit tantôt. Premier sujet d'actualité, c'est la crise au sein du parti présidentiel UDPS. Qu'est-ce que trame-t-il? Que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette crise? Que veut l'UDPS ou juste le parti qui est au pouvoir? Monsieur Freddy Moulumba, j'aimerais qu'on commence avec ce sujet pour quelques minutes seulement avant qu'on prenne les questions qui concernent l'Est et même l'international. Quelle est votre interprétation des faits qui se déroulent à l'UDPS actuellement? Je pense que c'est normal qu'il y ait des crises. C'est une erreur à toute organisation. Mm-hmm. Voir la dimension négative, mm-hmm. c'est peut-être aussi une opportunité pour mettre un peu de l'ordre. Je pense que il y a des conflits, ce qui est normal en politique. Il faut trouver un compromis, un consensus, un compromis. Et puis, on négocie. Il n'y a que ça. Donc, il faut éviter les débats de personnes. Là. Ça n'avance pas les débats démocratiques. Mm-hmm. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais qui est perdant dans cette crise? Moi, je n'entrerai pas dans ce débat-là des politiciens qui est perdant, qui est gagnant. Non, non. Il y a un problème, il y a une crise qui a éclaté. Ce qui est normal, il faut trouver des solutions. Parce qu'il y a une crise à l'UDPS, il y a des problèmes. Mm-hmm. Les gens revendiquent, il y a ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mm-hmm. On engage des discussions, on trouve un compromis. C'est un grand parti politique qui a toute une histoire. Mm-hmm. Ils sont habitués à des crises. C'est le mot de l'implosion, le parti.
Je ne pense pas parce que l'UDPS, c'est le peuple, hein, c'est la population, ce ne sont pas des individus. L'UDPS, c'est le peuple, l'UDPS, c'est la population. Mais les silences du chef de l'État par rapport à cette question, c'est vrai que le chef n'est pas, ne peut pas s'immiscer dans ça, mais pour rétablir un peu de l'ordre. Non, non, ce n'est pas au chef de faire ce travail, il est le chef de l'État. Hein. Pas le chef d'un parti. Non, ce n'est pas le chef d'un parti politique, il est le chef de l'État. Je pense qu'à l'UDPS, ils ont toute une histoire, ils savent comment ils trouvent les solutions des crises quand ça éclate. Ils vont trouver des solutions. Augustin Kabouya, vous pensez que c'est, selon vous, vous ne voulez pas parler des individus, mais vu que la majorité apparemment demande son départ, le mieux serait peut-être qu'il puisse partir. Ah non, moi je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là. L'UDPS, c'est un grand parti qui a toute une histoire, ils sont habitués à voir des crises, ils savent comment ils s'en sortent. Tout à fait. Ouais. Merci. Professeur Idi Yeni, vous êtes dans un parti politique également. Quelle est votre lecture de cette crise qui s'écoule l'UDPS aujourd'hui? Bon, en fait, la crise est inhérente à toute organisation humaine. Mais bien évidemment, elle est aussi créatrice ou porteuse d'un nouvel ordre. Parce que nous parlons dans la gestion des crises. Des fois, la crise vient remodeler un peu l'organisation. Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait une crise dans une méga structure comme l'UDPS. Mais cela doit aussi juste interpeller nos acteurs politiques parce qu'à un certain moment, chez nous, le parti qui est censé être une école de formation, de préparation, des futurs cadres, pratiquement une école, qui, en fait, une formation, il doit se gérer les ambitions. Et à un certain moment, la gestion de nos partis aujourd'hui rime avec de valeurs purement subjectives. Hein, ce qui fait qu'à un certain moment, on connaît pas mal de crises. Non seulement à l'UDPS, mais également ailleurs. Parce que depuis les élections jusqu'à présent, je crois qu'on a connu des crises un peu partout. Un peu partout. Il y a eu de part, il y a de ceux là qui créent aujourd'hui juste le leurre parce qu'ils ne se sont pas pratiquement retrouvés. Donc, comme je disais, on vient de souffrir pratiquement ce qui s'est passé en France. Vous avez eu un hémicycle que l'on peut facilement définir en fonction des références idéologiques. On dit il y a la droite, il y a les centristes, il y a les extrémistes. On sait directement, et puis on sait directement prévoir des plausibles combinaisons. Ce que vous oubliez, c'est que c'est le parti qui est au pouvoir. Quand il y a des crises en interne, est-ce que ça n'aura pas des conséquences sur le fonctionnement de l'État? Nous sommes à l'ère particratique. Si le fonctionnement de l'État, je dirais non. Ce parti est censé. C'est qu'il va juste préparer des cadres. Bon, à un certain moment, on ne doit pas oublier, il y a de fonctions, hein, de bravoure. Parce que pour avoir milité dans un parti, mais le parti n'a pas tout simplement besoin de ces braves hommes. Le parti a aussi besoin de compétences. Ça se passe partout. Moi, très souvent, je discute avec son Excellence Mozitou. Il me dit toujours, quand nous avons accédé au pouvoir, nous, Palou, on a connu aussi ces problèmes-là. On avait plus de militants et moins de cadres. Et quand il était question maintenant de positionner nos acteurs, nous étions dans l'obligé d'emporter. Et c'est une crise qui se vient un peu partout. Parce qu'à un certain moment, il ne faut pas confondre la RDC et l'UDPS. L'UDPS a de masse. Mais il y a a aussi ses cadres. Mais il y a des questions stratégiques qui nécessitent des spécialités. Et ces spécificités, des fois, le parti n'en a pas. Le parti doit recourir ailleurs. Et ça pose problème là, maintenant, la question de Abunda Wapi, Aouta Wapi. Pour être ministre des Finances, il ne suffit pas de faire les sciences économiques. Il y a des critères à remplir. Mais vous êtes là, vous êtes économiste, tu te dis, ah, bah, je vais te prendre un ministre de la Finance. Pourquoi on prend tel autre? Il n'est pas de votre parti, mais le parti est obligé, par manque de ses compétences-là, de recourir à une expertise extérieure. Merci. Et cela crée des problèmes, stupidement. Cela crée toujours des frustrations. Mais un parti qui fonctionne normalement, qui aspire au pouvoir pendant presque 40 ans, manquer des cadres qui peuvent justement prendre le pouvoir et le gérer, ça quand même, ça dérange. Pendant 40 ans, on n'a pas su former des cadres. Je te donne un exemple. Importer certains. Un exemple. On vous confie aujourd'hui juste la gestion. Il y a des questions aujourd'hui que les Congolais n'ont pas de compétences. Il y a des domaines énormes.
Vous venez juste, je ne sais pas moi, implanter une usine de fabrication des aéronefs ici. Peut-être vous serez obligé de recourir au juste à l'expertise étrangère. Hein. Même la téléphonie ici, même la téléphonie. Très bien. En accoltant tout ça, les jours, il sera question de transformer nos matières. Peut-être on sera obligé de recourir aux expertises importées. D'accord. D'où même le parti donc peuvent aussi connaître ces problèmes-là. Mmh. Hein? D'ailleurs, donc, c'est une question que l'on doit poser dans le cadre national, dans le cadre global, hein, global. De l'éducation pratiquement nationale. Parce que nous sommes un pays qui a des ressources, mais dont le système éducatif, les programmes ne corroborent pas avec tout ce que nous avons. Il y a une inadéquation entre les besoins sociaux. Oui, oui. Et la fourniture des cadres universitaires. Donc, allez chez nous. Nous avons forêt, forêt, eau, tout ça. Allez-y demander. Nous avons juste combien de facultés où les étudiants apprennent ces histoires-là. Merci. Donc, il se pose un problème. Il se pose un problème. Le cadre éducatif de la RDC doit normalement s'adapter aux besoins sociaux du pays. Alors, on va se déporter rapidement vers l'Ouest, le pays de l'oncle Sam, un des candidats. Aujourd'hui, on dit même que Donald Trump est le candidat favori à la présidentielle de novembre 2024. Il a été victime d'une tentative d'assassinat. C'était en Pennsylvanie le week-end, la semaine dernière, voulais-je dire. Il est hospitalisé actuellement. Pourquoi voudrait-on tuer aujourd'hui Donald Trump pendant que nous savons qu'il est favori dans les sondages? C'est pratiquement le futur président des États-Unis pour certains experts tels que vous, M. Freddy Moumba. Pourquoi tenter à la vie, à la vie de Donald Trump? Oui, Dan, merci beaucoup. Avant de répondre à la question, c'est d'abord te remercier du fait que tu es parmi les rares journalistes qui parlent de la politique étrangère. Donc, à Kinshasa, au niveau zone politique, ils ne savent pas que l'Amérique est plus importante pour nous. Mm-hmm. On est vraiment très, pas conscient, mais on n'est pas informé. Oui. Donc, je vais expliquer pourquoi les élites congolaises, politiques comme intellectuelles, doivent s'intéresser à l'Amérique. Il y a d'abord l'histoire. Un quart des Noirs américains vient de l'Afrique centrale, en particulier du Congo. Quand je dis Congo, ce n'est pas RDC, mais Congo, Rem Congo. J'étais à New Orleans, en Louisiane, oui. On a passé 3-4 jours là-bas. J'ai vu des serveuses venir nous donner la bière. Je regarde d'abord la morphologie de chez nous. Je regarde sur leur poitrine, là, on a inscrit Simba et Samala. Je voulais m'intéresser davantage. Vous parlez anglais aussi? Vous dites? Vous parlez anglais bien? Non, je ne parle pas anglais, mais je comprends. Okay. Je peux lire sans problème. Okay. Donc, Simba et Samala. Donc, les noms congolais. Mm-hmm. Et puis, je pose la question, on me dit non, il y a eu beaucoup d'esclaves qui sont venus du Congo, ici, à New Orleans. Et ils sont nombreux. Ils gardent le nom Le nom de chez nous, du Congo. Et parmi, il y a un monument, en quelque sorte, une place qu'on appelle Congo Square. On m'explique, c'est là où il y a beaucoup d'esclaves allaient chanter. C'est ainsi que quand vous êtes à New Orleans, vous avez les jazz. Armstrong, c'est, il vient de là. Donc, taboulé dans les temps, allait chanter souvent en Louisiane, mais ce n'est pas tellement connu chez nous. Rochereau. Ça signifie que nous sommes présents en Amérique. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'Amérique qui est le premier pays, bien le premier État à reconnaître l'État indépendant du Congo. C'était au mois d'avril 1884. Avant la conférence de Berlin. Donc, le premier État à reconnaître l'État indépendant du Congo, c'est l'Amérique. Et le deuxième, c'est l'Allemagne. Mais il a reconnu l'indépendance du Congo comment? Pendant qu'il a la conférence de Berlin qui devait partager l'Afrique. Oh.
Donc, il y a eu, je pense, l'Association internationale du Congo, oui, qui s'est présentée. Donc, sur base de ça, on a reconnu un gouvernement ami grâce aux manœuvres de Léopold II. Troisième élément, c'est l'Amérique qui a mis fin au génocide congolais. On coupait le Léopold II avait tué plus de 10 millions de Congolais, on a coupé des mains. C'est quand Edmond Morel est parti en Amérique avec d'autres intellectuels américains, les William Shepard. Ils ont fait la campagne et le président américain a pris une décision qu'on puisse couper les relations entre le Congo et l'État indépendant du Congo et l'Amérique. Et ça coûtait cher à Léopold II. En 1908, le Congo indépendant, l'État indépendant du Congo est devenu Congo belge, une colonie. Troisième, quatrième élément. Ça, c'est négatif maintenant. Vous devez comprendre ce qui arrive ici. C'est la CIA qui est à la base de l'assassinat. On peut dire qu'il a assassiné avec les Belges Lumumba, mais aussi on soupçonne dans la mort de Moïse Kabila la main de la CIA. Et quand vous prenez cette période, c'est pendant la période de transition. Quand un ancien président, donc celui qui a perdu, quitte un nouveau entre celui qui a gagné. Pendant cette période, je pense, à partir du mois de novembre, 8 novembre jusqu'au 20 janvier. C'est ce qu'on appelle la période de transition. Donc chaque président nettoie, donc règle ses problèmes avant que l'autre vienne. Dans ces conditions, on a tué. Le 17 janvier, on a tué Lumumba. Kennedy devrait entrer, Azawa devrait sortir. Moïse Kabila, on l'a tué le 16 janvier. C'était Clinton qui devait sortir, Bush devait entrer. Donc, ce sont des périodes difficiles, on doit être attentif. On ne peut pas tuer un chef d'État congolais sans l'autorisation du président américain. Cinquième élément, la guerre de la FDL. Cette guerre est montée à partir de l'Arkansas par Bill Clinton avec le globaliste. Ça fait 30 ans que nous sommes dans cette guerre. Donc, il faut s'intéresser davantage à la politique étrangère américaine pour qu'on sache comment il faut faire pour d'autres crises. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons quand même des Noirs américains qui sont au pouvoir. Hein, qui sont au pouvoir et qui sont, dans la plupart, sont des démocrates. Mais on peut toutefois lier des liens avec eux pour savoir faire le lobbying. Mais malheureusement, à Kinshasa... Des Congolais pour la plupart, hein, d'origine congolaise, quoi. Oui. Un quart à peu près. Donc, nous avons encore le sixième élément que je voudrais donner, c'est actuellement là, c'est l'administration Biden qui soutient Kagame. C'est très clair, il n'y a pas à discuter. Donc, si on ne comprend pas comment la politique étrangère d'Amérique fonctionne, si on ne s'intéresse pas, ça va nous coûter trop cher. Sans vous arrêter, monsieur Freddy Moulumba, l'administration Biden soutient Kagame. Elle gagne quoi, cette administration Mais ce sont les hommes d'affaires qui ont financé la campagne de Biden, c'est normal. Chez eux, c'est qui finance. Ce sont ces globalistes qui sont à Kigali, ceux qui ont commencé la guerre de la FDL. Ce sont les hommes d'affaires pour mettre la main sur les richesses du Congo. Comme ils financent la campagne des chefs d'État, des présidents, quand le président arrive au pouvoir, il a des comptes à leur rendre. C'est ce qui se passe maintenant. Donc, il n'y a pas un fait de hasard. Donc, actuellement, c'est qu'ils soutiennent. Mais il faut dire aussi que pendant la période de cette guerre, la guerre de l'AFDEL, il y a eu des moments importants. Les premiers moments, c'est quand, sous l'administration Bush fils, avec Colin Powell comme secrétaire d'État, il a intimé l'ordre. Il dit intimé l'ordre. Ce qu'il lui dit, c'est Herman Cohen dans ses mémoires. Il a intimé l'ordre à Kagame de retirer Museveni de retirer les troupes du Congo. En 2001. Là, c'est... Ça, c'est l'administration donc Bush fils. Deuxième élément, c'est l'administration Obama. On a demandé à Kagame de retirer ses troupes. Ils l'ont fait. Donc Kagame avec les autres l'ont fait. Obama et Biden. C'est démocrate. Tous sont des démocrates. Oui, ici, c'est pas question de démocrates. Je pense qu'Obama a quand même des liens avec l'Afrique. Avant qu'il entre au pouvoir, il avait demandé qu'on règle les problèmes du Congo. Il avait demandé. C'est comme ça que, dès qu'il est entré, je pense que vous avez vu, Kagame était beaucoup plus important. Et quand il est revenu ici,
normalement, pour savoir ce qui se passe au Congo, on passe par Kinshasa, on sort par Kigali, ou bien par Entebbe, ou bien par Kampala. C'était constant le temps. Obama arrive au pouvoir. Le premier voyage qu'il allait faire en Afrique, il est venu donc, dans les Grands Lacs, il est venu chez nous. Il est parti à Goma. Kagame est obligé de traverser pour la toute première fois. Donc, il y avait un changement au niveau de la politique étrangère américaine. Donc, ça prouve que quelquefois, l'administration américaine a une grande influence sur notre politique intérieure. Donc, il ne faut pas être naïf. Donc, si j'ai pris cet exemple, je parle de l'Amérique, pourquoi? C'est pour qu'on puisse discuter au niveau de Trump. Qu'est-ce que Trump peut apporter? Pourquoi on doit s'intéresser à ce qui se passe en Amérique? S'il était assassiné, qu'est-ce qui pouvait se passer? S'il va gagner, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai donné ces éléments pour nous permettre d'entrer et dire aux Congolais il faut s'intéresser beaucoup plus aux élections américaines. À la politique américaine. À la politique des États-Unis. Ouais. On va donc revenir sur cette tentative d'assassinat de Donald Trump. Professeur Eddy Yeni, vous êtes politologue, je crois que vous intéressez bien à la politique internationale. Votre lecture de cette tentative d'assassinat du président, du candidat à la présidence des États-Unis. Oui, merci. Juste, je pense que je vais ajouter un petit élément. En fait, le Congo est un produit de la volonté américaine. C'est pas pour rien que vous avez été dénommé le Congo EIC, État indépendant du Congo. À EIC, État indépendant du Congo. Parce que la grande question, il y a certains historiens qui pensent que le Congo était déjà indépendant à cette époque-là, n'était pas juste une colonie. Mais en réalité, le génie belge avait compris les jeux. Parce que les Amériques qui sortaient aussi de la colonisation, donc les États-Unis, ne voulaient pas encore cette tradition-là, ces créations-là de colonies. Hein, voilà pourquoi les États-Unis luttaient pour la création des États libres. Hein, des États libres. Liberia, tout ça. Maintenant, le roi des Belges, pour obtenir le quitus des Américains, il dit, on crée pratiquement un État indépendant, pas une colonie, hein? Un État indépendant. Avant la conférence de Mais c'est comme, c'est juste pour obtenir. Non, à l'époque, il n'y avait pas de frontières. Il y avait déjà des frontières pour obtenir la reconnaissance américaine, hein? Tout est parti de là, parce qu'il avait déjà le soutien des Allemands et il devait maintenant obtenir le soutien des États-Unis. Donc, c'est hyper important. Lorsque vous dites, en fait, les élections américaines, hein, il y a la politique extérieure américaine. Aujourd'hui... J'aimerais revenir un peu sur un aspect. Pourquoi État indépendant avant les autres, avant la conférence de Berlin? C'était quoi la finalité? L'État indépendant, donc État... En fait, la conférence de Berlin, en fait, on n'a pas partagé l'Afrique. Oui, mais bien sûr. Je veux juste revenir. Pourquoi est-ce que l'administration américaine a permis à ce que il y a un État indépendant au cœur de l'Afrique? Donc, pour l'administration américaine, ayant subi les atrocités de la colonisation, hein, ils sont sortis de la colonisation et luttaient contre ces pratiques-là. Circe, ils ne pouvaient pas accompagner un État occidental, hein, qui venait créer ses départements, une colonie en Afrique. Parce que, qu'on se le dise, Avant, la Belgique était une puissance de second rang. Donc la Belgique n'avait même pas droit à avoir une colonie. Hein? Son papa, le papa de Léopold II, s'est bâti pour en avoir. Il n'a rien eu. Quand Léopold II arrive, Léopold II est aidé par la révolution française. Juste cette révolution, la révolution industrielle, qui va transformer toutes les puissances pratiquement occidentales aux puissances impérialistes. Même ces puissances de second rang deviendront des puissances impérialistes. C'est comme ça que la Belgique va manœuvrer. Donc le roi de Belge, hein, le roi de Léopold II va manœuvrer pour convaincre les puissances. Les puissances à... Il va d'abord négocier avec l'Allemagne. Chez les Américains, le roi dira « Non, nous créons pratiquement l'État indépendant du Congo. » Chez les Français, le roi dira dit aux Français « Moi, je vous donne le droit de préemption. Hein? » Le droit de préemption. À ce moment-là, il y a un territoire français qui est confisqué par l'Allemagne. Mais l'Allemagne, pour éviter encore de réveiller
de réveiller ces atrocités-là, l'Allemagne fera un peu fi, l'Allemagne laissera pratiquement à la France son droit. Et ce droit-là a aidé pratiquement la Belgique aussi à reprendre les Congo. Pourquoi? Parce que la France disait, comme la petite Belgique ne sera pas, ou le petit roi des Belges ne sera pas pratiquement juste quoi, diriger les Congo, il sera essoufflé, moi je vais récupérer les Congo. D'accord. Donc c'est un peu ça. Revenons maintenant à la tentative d'assassinat de Donald. Oui. Aujourd'hui, justement, c'est le pays le plus important. Aujourd'hui, parmi les pays les plus importants au monde, je dirais même le plus important des pays au monde, parce que c'est l'hyperpuissance mondiale. Le monde aujourd'hui est subdivisé et multipolarisé, mais cette multipolarité s'est vue un peu bipolaire. Il y a d'un côté les États-Unis avec ses satellites, donc l'Union européenne et les autres, et de l'autre côté, vous avez juste la Chine, la Russie, donc le BRICS, la Chine et le BRICS. Hein? Un État comme le nôtre, la politique extérieure américaine reste la même. Mais les administrations ou le camp, chacun a ses procédés. Les républicains ne procèdent pas ou ne gèrent pas de la même manière que les démocrates. Très souvent, les démocrates créent des guerres, des coups d'État, hein, dans des pays instables comme les nôtres. Et moi, je dis, avec la politique de Donald Trump, c'est une politique qui nous est quelque peu favorable. Quelque peu favorable. Et qu'on se le dise, déjà, cette tentative de coup d'État, c'est une opportunité énorme qui permet déjà à Biden, à Donald Trump de remporter les élections. Tout est déjà fini. On peut tout dire, je vous dis, Donald Trump d'ailleurs, sa popularité, il a maintenant la sympathie des Américains. Mais je dirais ceci, pour nous, pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Nous devons retenir ceci. Les Congos doivent avoir un œil regardant ce qui se passe aux États-Unis. Parce que les capitaux qui opèrent, les finances qui opèrent à l'est du pays, qui nous déstabilisent, sont généralement des finances américaines. Et ces finances-là utilisent leurs administrations comme étant de voies ou de mécanismes, hein, pour obtenir tout ce qu'ils obtiennent ici. Voilà pourquoi le changement de ton, le changement de méthode peut nous être utile. D'accord. Hein, donc, mais il est aussi important au pouvoir de Kinshasa de redéfinir sa politique extérieure. Très bien. Dans la politique extérieure, nous avons la diplomatie et la politique internationale. D'accord. Parce que pour bien négocier, on doit se doter d'un certain nombre d'objectifs. Savoir avec qui négocier, pourquoi négocier, qu'est-ce que nous comptons obtenir de l'autre. Nous avons des Noirs américains qui se réclament pratiquement d'origine des souches congolaises. Mais il faut aller vers les autres. Qu'est-ce que font les Juifs? Les Juifs font un effort de créer des ramifications entre l'État juif et tous les ressortissants, hein, tous les originaires, hein, tous ceux qui se réclament de la source juive. Et c'est ce qui s'est fait juste ailleurs aussi avec les Nilotiques. Donc on doit se battre à tisser encore, à renforcer ces liens-là avec ces Noirs américains qui se réclament de la RDC. Merci beaucoup, professeur Eddy Yeni, pour cette lecture. Monsieur Freddy Moulumba, vous avez planté le décor. Dites-nous maintenant pourquoi attenter à la vie de Donald Trump aujourd'hui. Oui, c'est d'abord, c'est un homme spécial. Spécial, ouais. Pour le Congolais. Non, ça, c'est au moins général, quoi. Donc, oui. Il a une personnalité un peu... comment dirais-je? Il a insulté les Africains. Hein? Non, ça, ce sont vos discours des Africains. Là, vous ne comprenez pas les enjeux. Il n'a pas insulté. Hein? Il avait insulté les Africains. Il est très clair. C'est un homme d'affaires. Il a une autre logique. C'est cadre sur table. Lui, j'ai lu un peu ses mémoires. C'est un homme très dur. Il est toujours gagnant. Et ça, il détient ça de son père. Et quand vous lisez un peu ses mémoires, l'homme dit, je dois gagner. Pas perdre. Donc, il y a toujours un mental de combat. Voilà pourquoi il a tenu devant le démocrate. Il y a eu d'abord le procès, ça n'a pas marché. Après, il y a une tentative d'assassinat. Il y a des gens qui disent, selon les autres personnes, on voulait l'assassiner parce que pour l'empêcher de devenir président. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Mais c'est un homme très solide.
Il faut dire que dans son premier mandat, c'était la rupture. Devant, selon les Américains, Trump vient rompre avec l'établissement, ce qu'on appelle l'État profond. Il vient rompre. Oui, c'est quelqu'un de rupture. La rupture. Quelqu'un de la rupture. Donc pour les Américains, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à la domination des élites. Trump n'est pas élite comme les autres. C'est vrai, il est milliardaire, son père était aussi milliardaire, mais il n'a pas eu l'argent facilement. Il a beaucoup travaillé pour gagner l'argent. Donc il était tellement en contact avec des gens, il a un autre comportement par rapport aux élites. Un peu. C'est un bosseur. Hein, ouais. Ouais, c'est un grand bosseur, mais quelqu'un qui croit dans ce qu'il fait. Donc il a ce caractère qui fait qu'il soit un homme spécial. Il a tenu devant, il a tenu dans toutes les tentatives de décision. Dans l'un de ses meetings où il passe, parfois il dit America first, l'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord. C'est-à-dire que d'abord il pense aux États-Unis avant de penser aux autres États. Parce que je peux vous dire, c'est frappant. Quand vous partez en Amérique, c'est une grande puissance. Quelle misère. Ah bon? Oui, moi j'étais à New Orleans. Quand j'arrive, je regarde, j'ai vu de petites cabanes avec des bananiers derrière, là, comme chez nos villages. Non, c'est pas possible. Et j'ai vu un noir américain venir me voir. Il me dit, tous ces blancs ici, même avec Obama, nous, on n'a rien gagné. On va nous respecter quand on aura l'argent. Ça, c'est noir américain. Un jeune américain, noir. Mal habillé, tu sens la pauvreté. Donc, l'Amérique qu'on nous projette ici, ce n'est pas la véritable Amérique. Là, en Amérique, vous allez voir la misère. Et à New Orleans, vous avez encore des vieilles trames des années 1945, des vieilles histoires. Et quand je compare New Orleans avec quelques villes de la Chine est tellement en avance. Mais tu pars là-bas, donc tu as encore des vieilles histoires. On ne sait pas expliquer ça. Donc en fait, c'est ça que qui fasse que Trump ait une base. Donc, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont tombées en faillite. On les a transférées en Chine, délocalisées. Et les Américains sont maintenant plus pauvres qu'auparavant. Donc, l'arrivée de Trump, parfois, c'est que ça donne un peu d'espoir. Mais l'élite, ce qu'on appelle l'établissement, n'accepte pas. Voilà pourquoi Trump est en difficulté. Mais qu'on le veuille ou non, je pense que Trump va gagner. Mais qui gagnera, à qui bénéficiera l'assassinat de Trump aujourd'hui? Qui sera le plus grand bénéficiaire? De toute façon, selon tous les sondages, il sera président. On peut l'empêcher, mais Trump sera président. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, ça va apporter quoi sur le plan international? D'accord. D'abord, il vient de le dire ici, nos amis démocrates aiment toujours des guerres. Mais Trump n'en veut pas, parce qu'il a fait 4 ans sans faire de guerre. Il pouvait menacer les Nord-Coréens, mais il n'a pas fait la guerre. Et il a dit, lui au pouvoir, la guerre de l'Ukraine va terminer en 48 heures. Ce qui est possible avec lui. Comme c'est un homme d'affaires, il ne va pas aller faire de guerre. Même au niveau de Nord-Américains qui étaient pro-démocrates, aujourd'hui, ces gens préfère encore Trump. Ils disent au moins Trump défend les intérêts américains. Donc les milliards qu'on donne à l'Ukraine là vont stopper, vont cesser de. Non, l'armée doit se retirer de la guerre en Ukraine. En fait, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Oui. Peut-être qu'on ne veut pas vous donner la vérité comme vous suivez les médias occidentaux. Il y a d'abord une mafia qui s'est installée et la plupart d'hommes d'affaires, des globalistes américains, occidentaux, anglo-saxons, ont acheté des terres. En Ukraine. Mais Poutine vient s'installer sur cette terre maintenant. Il a pris les terres là, les Donbass là. Ce sont des terres trop riches. Poutine a mis la main. Ceux qui avaient déjà investi n'acceptaient plus. Voilà pourquoi ils préfèrent faire la guerre jusqu'à ce que Poutine ne quittera pas. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, comme l'Amérique est en crise, pour relancer l'économie, il faut la guerre. On n'a pas d'autre choix. Ce qu'on donne beaucoup plus à notre ami Zelensky, ce sont des armes. Et curieusement, des vieilles armes. Hein. Des armes en quantité de. Oui, mais il faut quand même évaluer ça. Ça coûte combien tous les missiles qu'on donne là, c'est pas gratuit. Ce ne sont pas des dons. Ce ne sont pas des dons. Il l'achète. Non. Il s'endette. Il s'endette, donc il achète. Après la guerre, il doit payer la dette. C'est ça le problème du capitalisme. Mais alors, qui tue l'Ukraine? C'est pas les. C'est Poutine ou ce sont les Américains? Non, je pense que c'est l'Ukraine qui est perdante. Parce que ceux qui meurent au front, ce sont les Ukrainiens. Qu'est-ce que vous conseillerez à Zelensky?
Mais il n'a qu'à négocier parce qu'il n'est pas en position de force. Avec qui? Avec Poutine. Poutine a déjà occupé le terrain. Mais est-ce que ça ne sera pas vendre la souveraineté de l'Ukraine? Oui, il faut entrer dans l'histoire, c'est très long aussi. on peut vous expliquer un jour. Ça, c'est je disais que Trump a dit qu'il va mettre fin à la guerre. Okay. Hein? Et peut-être nous pourrons avoir la chance d'avoir trois chefs d'État, de trois grandes puissances qui sont souverainistes. Vous avez Trump, vous aurez Trump, vous avez les Chinois, Xi Jinping, et vous aurez aussi, vous avez Poutine. Ce sont les souverainistes. Ils défendent les intérêts de leurs États. Mais ils sont en face de qui? Des mondialistes. Les mondialistes, les globalistes, ceux qui soutiennent Biden avec son régime. Alors, ça sera quoi? Donc, son départ fera ce que Trump mènera une guerre terrible contre les globalistes. L'arrivée de Trump au pouvoir, certainement, quelle peut être la conséquence sur au niveau de la gestion de l'insécurité dans les grands lacs, la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, c'est ce qui est intéressant. Oui. Quand on a commencé la guerre de l'AFDEL, qui était à la base, c'était Bill Clinton, avec les globalistes, ceux qui sont la base de la guerre, et ils veulent que le Congo disparaisse pour mettre la main sur nos richesses. Trump n'est pas d'avis. Trump est souverainiste. D'ailleurs, il avait fait un discours durant son premier mandat aux Nations Unies. Il était très clair. Il a dit à tous les pays, tous les chefs d'État d'autres pays, défendez vos intérêts. Lui défend les intérêts américains. Et ça a choqué les mondialistes parce que ce n'est pas propre à leur langage. Leur langage, c'est quoi? Il faut amener la démocratie, amener le, comment on appelle encore, l'état des droits et le marché libre. Trump n'est pas dans ça. Trump, nous faisons les affaires, moi je défends les intérêts américains. Et les globalistes et mondialistes ne sont pas d'accord. Donc, ce qui se passe maintenant ici, c'est un combat au niveau de l'Amérique, entre globalistes, mondialistes, contre les souverainistes. Les souverainistes, c'est qui? Trump. Il y en a aussi beaucoup plus au parti républicain. Beaucoup plus, oui. Voilà, la conséquence sous les grands lacs. Oui, la conséquence chez nous, de toute façon, je voulais expliquer. Donc, comme ces gens ont soutenu Kagame, guerre d'Afdel. Mais Biden. Non, c'est Bill Clinton. Bill Clinton, oui. Et la plupart des gens qui sont au gouvernement de Biden aujourd'hui, on travaille avec Bill Clinton. Ce sont toujours des mondialistes et des globalistes. Voilà pourquoi ils sont toujours Kagame contre nous. Donc l'arrivée de Trump peut nous donner la chance de savoir négocier avec eux, défendre nos intérêts, à condition qu'on s'assure au Congo. Donc c'est une opportunité pour nous. Si Trump devient président, si on a des gens sérieux, le Sud, qu'on négocie avec les Américains, carte sur table. Parce que Trump, c'est un homme d'affaires, il ne viendrait pas vous dire non, il faut faire la démocratie. Non, ça ne l'intéresse pas. Lui, il vient vous dire où sont nos intérêts. Et actuellement, sur le plan, je dirais un peu mondial, c'est beaucoup plus la géoéconomie qui compte. La géopolitique est presque un peu... Donc, pour dire que l'économie sera beaucoup plus importante. Parce que Trump, le conflit entre la Chine et l'Amérique est économique. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Freddy Boulumba. Mais on va insister sur la guerre dans la partie est de notre pays, surtout avec le nouveau rapport des Nations Unies qui indique que plus de 4000 hommes sont de l'armée rwandaise ont traversé la frontière. Et l'armée ougandaise et les services de renseignement ougandais soutiennent également le M23. Donc, le M23 ou l'armée rwandaise, on en parlera incessamment aussi sur cette terminologie. Ça pose problème pour certains. Alors, professeur Edieni, vous voyez une différence entre dans la région des Grands Lacs, l'arrivée de Donald Trump, voyez-vous une approche différente des États-Unis face au regard de l'insécurité dans cette partie? Bien évidemment. Lorsque Trump demande au chef d'État, chacun, pratiquement, de se prendre en charge, il veut dire ceci. Dans le 800 000 milliards que dépensent les Américains pour la sécurité, il y a aussi la sécurité de l'Union européenne. Ils doivent se financer l'OTAN. Ils doivent se financer la sécurité du Japon. Ils doivent sécuriser la Corée du Sud. Ils doivent sécuriser Thaïlande. Ce sont pratiquement de dépenses énormes. En fait, d'après les souverainistes, qui ne profitent pas au peuple américain. Or, les richesses américaines doivent profiter d'abord aux Américains en lieu et place de sécuriser et les autres. Donc, cette fois-ci, Trump demande aux États comme la France, l'Allemagne, tout ça, de pouvoir aussi contribuer, hein,
qu'ils puissent aussi voir clair dans le budget de l'OTAN. Donc, que l'Union européenne contribue aussi. Dans vos différentes organisations internationales, voilà. En ce qui concerne l'ARD Congo, je pense que avec l'arrivée, Trump n'est pas pratiquement n'est pas une solution au problème congolais. Parce que le Congo revient d'abord aux Congolais. Il revient aux Congolais de définir leur politique extérieure. Aux Congolais de savoir comment mener la diplomatie. Parce que, vous savez, une diplomatie sans vision est vouée à l'échec. Il faut d'abord se doter d'une vision. Il faut savoir qui contacter. Hein? Il faut avoir aussi des canaux. Hein? Des canaux. Parce que c'est que ce n'est pas seul. Une guerre ne se gagne pas que dans le front. Hein? Il faut la gagner sur le plan diplomatique. Surtout celle qui se vit au Congo. Parce que aujourd'hui, il y a, je dirais, bon, depuis la nuit des temps, aujourd'hui, pratiquement, il y a un primat de l'économique sur la politique. Oh, sont juste des intérêts économiques qui priment. Hein? C'est ces milliardaires qui accompagnent aujourd'hui Trump. Vous avez appris hein, qu'il y a une société de télécommunications qui est derrière Trump, d'ailleurs, qui diffuse ces images. Ces gens-là ont aussi besoin de nos ressources stratégiques, donc de coltan. Sans ces Congolais tantaliques, vous ne pouvez pas avoir vos téléphones. Parce qu'un Chinois disait, si vous avez juste un téléphone, sachez bien que vous avez une partie du Congo entre vos mains. Et ces téléphones-là, iPhone et autres, sont pratiquement des téléphones du sang. C'est le sang congolais qui coule. Ce sont juste nos mamans qui sont violées. Hein? Elles sont violées au profit de l'industrie pratiquement juste occidentale. C'est là, mais ramène à dire. Lorsque juste nous avons parlé, nous parlons de la table quoi. De Trump. Non, on a parlé de 1885. Conférence. Quoi de la conférence de Berlin. Berlin oui. Entre cette conférence-là, parmi les objectifs assignés à cet espace, on dit « Le Congo n'est pas créé comme un État pour résoudre ses propres problèmes. Il est créé pour résoudre les problèmes de l'humanité. Mmh. » Hein? Pour résoudre les problèmes de l'humanité. Voilà pourquoi, à l'ère de dérèglement climatique, on vous dit juste, vous devez préserver votre forêt hein, pour résoudre les problèmes que créent les industries chinoises, françaises et autres. Or, la technologie actuelle me renseigne que nous n'avons pas encore atteint un stade où on peut se développer sans polluer. En tout cas, développer, c'est polluer. Industrialiser, c'est polluer. Si on veut aller de l'avant, pour donner même de la valeur ajoutée à nos matières premières, nous devons créer des industries et polluer. Mais on vous dit non, il ne faut pas polluer. Hein? Il ne faut pas polluer. Il y a des fonds verts destinés à vous gardiens du monde, État solution. Pour l'industrie, pour la téléphonie mobile, on vous dit juste on doit créer l'Est du pays. Ce sont des espaces. D'ailleurs, un président français est venu ici vous dire vous devez exploiter conjointement vos ressources avec les autres. Hein, pour permettre à nos industries de vivre. Oui. Donc, en réalité, les ressources congolaises ne profitent pas aux Congolais. Et le politique congolais devient juste une marionnette, placée comme un gestionnaire d'un bien appartenant à l'humanité. Un peu comme Léopold II. Oui, quand Léopold II dit « Le Congo est sa propriété », en réalité, ce n'était pas sa propriété. Lui n'était qu'un gestionnaire d'une propriété commune appartenant aux puissances ayant participé à la conférence, à la table ronde. Est-ce que le Congo a-t-il appartenu aux Congolais le 30 juin 1960? En tout cas, je dirais non. Non. Parce que, vous savez, on accède à l'indépendance. Mmh. Dans cette euphorie, l'homme congolais, on lui est place. Je vous donne un exemple. On nous octroie une loi fondamentale, la loi fondamentale. 60. Ayant pratiquement la valeur de la Constitution. C'était une loi transitoire. Hein? On devient une république dès lors que le peuple a élu une assemblée constituante qui va rédiger sa constitution. Et cette constitution, c'est pratiquement un produit qui correspond à votre trajectoire historique, culturelle, anthropologique, à vos réalités locales. Okay.
On a une constitution produit de la volonté extérieure, transitoire, mais cette constitution est restée et a fait quasiment son champ. Merci. Pourquoi beaucoup. D'où? Mais on vous parle de on est à la 4e République. Hein? Mais la République, on commence la République quand? C'est lorsque la République... On les crée circonstanciellement d'un contrat social. D'un contrat pratiquement, vous créez la République. Avec ces contrats-là, vous créez la République. Maintenant, à chaque changement profond, vous dites première, deuxième, troisième. Nous, on est République sur fond de rien. C'est pour dire que, jusqu'à la preuve du contraire, même l'élite des 60, cette élite-là n'a pas pu nous doter, redéfinir, réorienter l'appareil tactique congolais. Donc cet appareil, c'est pratiquement un produit, je dirais, qui s'est importé, hein, dont les objectifs ont été fixés ailleurs et pour les autres. Merci. Voilà pourquoi on continue sur cette lancée-là et le Congo s'est pratiquement en dehors de toute orbite de développement. D'accord. Peu importe tout ce que nous faisons, on est vraiment en dehors. On ne pourra pas se développer. Si, voilà, c'est là où on doit maintenant interpeller l'élite congolaise, l'élite politique, intellectuelle, culturelle, à penser Congo. Il nous faut réellement, je dirais, se mettre autour de table, réfléchir, donner, se fixer des objectifs comme l'ont fait les autres. On peut changer de président aux États-Unis, mais la philosophie demeure la même. Les objectifs demeurent pratiquement les rayonnements des États-Unis. Merci. Mais nous, quels sont juste nos objectifs? C'est, on est là pour combattre Tshisekedi, comme Kabila est parti, on va combattre Tshisekedi va partir. Demain, on aura un autre monsieur. Dans l'entretemps, c'est l'industrie occidentale qui avance, et même orientale aujourd'hui. Même orientale. Merci beaucoup, professeur. Vous avez dit qu'il faut que le Congo se fixe des objectifs en tant que nation et travailler pour atteindre ces objectifs, mais pas se combattre les hommes. Les hommes ne sont pas éternels, ils sont plutôt limités. Monsieur Fodi Moulumba, Donald Trump, on avance lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Je pense qu'on va prendre les derniers tours de parole. Je vous avais chacun 6 minutes maximum. Alors, M. Freddy Moulumba, comment devait se comporter l'administration congolaise? Le Congo devait se comporter comment avec l'arrivée de Donald Trump? Comment on doit se comporter? Non, je viens de vous dire ici que la guerre à l'Est, c'est la guerre des globalistes. Oui. Ce sont les globalistes qui soutiennent Kagame et les autres. Oui. Donc, l'arrivée de Trump fera ce que Kagame, avec les globalistes, auront difficile à se maintenir encore au Congo, mais à condition que les Congolais même travaillent, qu'ils soient sérieux, qu'ils soient lucides. Mais ce qui est important ici, c'est le rapport des Nations Unies. On vient de dire qu'il y a entre 3000 et 4000 militaires rwandais sur notre territoire. C'est très clair, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. L'armée rwandaise est sur notre territoire. Oui. Ça signifie quoi? Il a violé les droits internationaux. Normalement, il est sanctionné. Oui, tout le monde, si on était logique, parce qu'on condamne Poutine qui l'a violé. Les droits internationaux en occupant l'Ukraine. Mais pourquoi on ne tient pas le même discours chez nous? On dit maintenant, c'est reconnu par le... On a vu, il y a des images que les troupes rwandaises, l'armée rwandaise sur notre territoire. Monsieur Fabi, j'aimerais juste qu'on ouvre une petite parenthèse avant que vous ne puissiez continuer. Au niveau de la terminologie, terroriste du M23, RDF, qui sont nos ennemis? Est-ce que la terminologie prête à confusion? Non, c'est les Rwandais. On vous dit que les Rwandais est sur notre territoire. Les Nations Unies les prouvent. Il y a 4000 militaires. Comment tu vas dire qu'il y a des terroristes? Mais quand vous lisez les communiqués du gouvernement... Oh, n'entrons pas dans ces histoires-là. D'accord. Ici, on parle science. Allez-y. Ok. C'est très clair. Les Rwandais occupent notre territoire, normalement. Les gouvernements devraient traduire les Rwandais à la Cour internationale de justice. Directement, ça demande quoi? Même l'Ouganda. Ces gens sont sur notre territoire. Ils sont en dehors des règles internationales. Pourquoi les gouvernements c'était? Vous allez le communiquer là. C'est très flou. Vous allez demander que la communauté internationale sanctionne. Nous, on devait avoir une plainte. Allez déposer à la Cour internationale de la justice. Et déposer aussi une plainte à la CPI contre Kagame et les autres qui ont tué les Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. On est inquiet. C'est pas normal que les autres nous tuent. 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, 7 millions de personnes internes à Kinshasa
On fait encore des communiqués pour dire non, la communauté internationale, il faut condamner. Ça ne marche pas. Il faut faire quoi? C'est d'abord sur le plan juridique. Allez saisir... Il faut saisir la Cour internationale de justice, mais aussi la Cour pénale internationale. Parce qu'il y a des gens qui ont tué des Congolais. Il y a un génocide. Et nous, en tant que conscience en salle congolaise, on a déposé une plainte contre X avec les livres de Charles Onana comme preuve et les rapports des Extrêmes Nations Unies. Dans ces rapports, dans les livres, les noms des individus sont dedans. Et ces gens-là circulent librement à Kinshasa. Ils ont tué des Congolais, ils circulent. On a demandé à notre justice de les interpeller et de les juger. C'est pas normal que ces gens ont tué des Congolais. Ils sont là, ils sont au gouvernement, ils sont dans les institutions, ils sont au Parlement. Ça ne marche pas comme ça. Vous n'oserez pas quand même citer quelques-uns? J'ai dit que, ben, comment, on ne peut pas citer. Les noms sont dans les, dans l'ouvrage. Il n'y a pas seulement l'ouvrage de Charles Onana. Vous avez les rapports des Nations Unies. C'est nommé, on a nommé des gens. Ça ne demande pas de miracles. Les preuves sont là. Pourquoi notre justice ne veut pas poursuivre ces gens-là? C'est comme ça qu'on a dit, il faut que les Congolais prennent d'abord l'initiative, au lieu d'attendre la Cour d'ordre de la Cour pénale internationale. Nous sommes partis déposer une plainte oui, contre X avec les livres de Charles Onana et les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, pour qu'on puisse juger ces gens-là. Parce que c'est pas normal. Ils disent qu'il faut négocier avec le gouvernement. Ils négocient quoi? Qu'on leur donne d'abord les territoires, ensuite qu'ils intègrent la structure. Les postes de responsabilité. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on soit très prudent. Kagame a fait un discours, a fait une conférence de presse samedi. Dans cette conférence de presse, ce qui est frappant, je vais vous lire un peu. Il y a eu une dame qui a posé une question sur qu'est-ce que Kagame peut... qu'est-ce qu'on peut réserver à Charles Onana et à Madame Idambire. Kagame répond. Toutes ces personnes ont le soutien des grandes puissances et notamment du Congo. Donc, quand on dit du Congo, c'est Onana et Idambire. Mais, peu importe qui les soutiennent, ils finiront mal. Laissez-les. Ce sont des propos de Kagame à Kinyarwanda. Donc, on est distrait. Donc, dans le fait de Kagame, Charles Onana est soutenu par le Congo pour l'embêter. Parce que les livres de Charles Onana, on ne sait pas les mettre en cause. Ce sont des preuves tangibles. Mais ce qui est curieux, c'est de voir que des étrangers se battent pour nous. Nous, à Kinshasa, on est ailleurs. Ça pose un problème sérieux. En tant qu'intellectuel, en tant qu'élite. Comment on peut écrire un tel livre avec des preuves, des noms? Les gens la circulent, personne ne les interpelle. Est-il normal? Voilà, on a déposé une plainte. Nous attendons que notre justice interpelle ces gens, qu'on les juge au moins. Qu'ils savent que dans ces pays, il y a quand même une justice qui fonctionne. Merci beaucoup. Avant d'attendre la justice internationale. Les sanctions. Oui, les sanctions, le communiqué du gouvernement n'est pas solide. On sent la peur. Il faut dire Kagame, avec donc, le Rwanda et l'Ouganda, on va les traduire en justice. Mais sur place ici, nous nous préparons à la guerre. Moi, je ne comprends rien. Mon cher ami, lisez l'histoire des peuples. Les peuples qui ne se sont pas battus sont devenus esclaves des autres. Le monde est fait ainsi. Merci, monsieur Freddy Mumba. Professeur Diéni, il y a ce rapport des Nations Unies. Il y a aussi, comme on a dit, l'arrivée des Trump, le comportement du gouvernement congolais. Comment on doit se comporter vis-à-vis de nouveaux pouvoirs américains qui s'annoncent très bientôt? Et aussi, un petit mot par rapport au rapport des Nations Unies sur l'Ouganda et les hommes. Bon, en fait, depuis la nuit des temps, on a déjà, on connaît qui est notre, qui sont nos ennemis. De la part du gouvernement, je dirais, moi, je ne saisirais pas de le dire, il y a une forte infiltration, parce que, jusqu'à la preuve du contraire, hein, il y a de ceux-là qui se réclament autorité congolaise, mais qui ne travaillent pas pour les comptes, on dit Congo. Dans notre gouvernement actuel. Oui, même dans le gouvernement actuel, il ne faut pas juste se voiler la face. Même au Parlement, ils sont nombreux. Au Parlement, ils sont là. D'ailleurs, les discours de Mbosso en témoignent encore. On a eu de parlementaires influents qui étaient de mèche avec les Rwandais, ici au Congo. Et on connaît pratiquement des gens
importants, stratégiques, qui sont pratiquement là, et puis qui travaillent pour le compte des autres. Ils sont dans les gouvernements, ils sont dans les gouvernements, dans toutes nos institutions. Voilà pourquoi nous disons à un certain moment, il faut même extirper ces... dans ces conditions, comment mettre fin à la guerre? Oui, comment mettre fin à la guerre? Moi, je pense que... Vous savez, quand Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, hein, personne ne lui faisait confiance. À un certain moment, Poutine était face à un bloc, à une, je dirais, une sorte de mafia internationale qui pillait la Russie. Mais Poutine est venu, Poutine les a défiés, Poutine avait une vision, Poutine était pratiquement avait un leadership très éclairé, visionnaire, et Poutine a réussi à réorienter l'appareil russe. Hein? Pour la, c'est que c'est pas juste à l'est du pays. Moi, je pense que, je vous dis, le leadership militaire est fonction aussi du leadership politique. Parce que c'est la politique, en fait, est définie, est appelée autrement aussi, elle est infrastructure, elle est superstructurelle. Donc, la politique, c'est aussi une sorte de fiction. Hein. C'est un monde d'idées. La vision, on ne sait pas la voir comme ça clairement. On la voit par le biais des programmes, projets, tout ça, pour la matérialiser. Pour qu'elle devienne programme. Elle est, avant qu'elle devienne programmatique, elle est d'abord un certain nombre, d'abord dans le monde imaginaire, dans le monde d'idées. Les politiques congolaises, hein, les autorités congolaises, doivent à un certain moment, je dirais, je parlais ici juste de la redéfinition de notre politique extérieure. C'est dire clairement, nous sommes le pays le plus important de l'Afrique du Grand Lac. Nous sommes le pays le plus important en termes de ressources naturelles, en termes de grandeur, de densité pratiquement territoriale, d'immensité pratiquement territoriale, en termes pratiquement de population. Hein, nous sommes à nous pratiquement de jouer ces rôles en termes de grands lacs. Mais pour y arriver, on doit définir notre politique extérieur. Donc, juste à la politique internationale et notre diplomatie. Parce qu'on a aujourd'hui des diplomates qui y vont sans canevas. Ils se présentent dans une conférence. Des fois, il y a des moments où le Congo est même absent. Dans des réunions importantes, dans des rencontres importantes, le Congo est absent. Là où des fois, on décide sur le Congo sans les Congolais. Hein? On décide sur le Congo sans les Congolais pendant que les gens meurent à l'est du pays. On ne cesse d'organiser des concerts et concerts. Vous imaginez aujourd'hui en Ukraine, les Ukrainiens organisaient un concert. Vous pensez que c'est normal? Vous allez vraiment en Ukraine, là, il y a des concerts au stade, je ne sais pas, leur stade de martyrs. Ils organisent parfois des concerts. Chaque semaine, il y a des concerts en Ukraine. Même l'attitude de nos autorités, des fois, témoigne une certaine légèreté. Moi, je vois M. Freddy chaque dans nos émissions, habillé toujours à son t-shirt Holocauste au Congo. Vous savez, il m'a donné pratiquement un cadeau. Je suis arrivé à la maison, vous savez, quand je pris ces t-shirts-là, je l'ai porté. À un certain moment, je me suis senti dans une sorte de responsabilité que je n'arrivais pas à bien maîtriser. Vous avez eu le Saint-Esprit au même moment. Oui, je me suis dit, apparemment, ces t-shirts est porteur d'un message. Et je dois d'abord l'intérioriser et je dirais le vivre. L'intérioriser et le vivre. Le leadership, c'est un comportement. La responsabilité au niveau de l'État. À un certain moment, il faut un certain comportement, une attitude. Moi, je vois Zelensky, on peut tout dire. Mais vous ne verrez pas Zelensky en bien, en costume, en lait, festoyer, ça et là. C'est le chef de l'État, indirectement. Nous parlons de l'élite congolaise et puis le chef de l'État, je pense, il est aujourd'hui à la tête du pays parce que le leadership congolais pose problème. Lorsqu'on parle de la vision, il est parmi ceux qui peuvent pratiquement nous orienter aujourd'hui parce que, je vous dis, il y a des acteurs qui disent qu'on ne sait pas accompagner les Congos. Même l'aide au développement destinée aux Congolais est détournée. L'aide de développement destinée aux Congolais. Tous les efforts fournis par les autres pour les Congos. En tout cas, les Congolais eux-mêmes essaient un peu de marcher là-dessus. Pendant que nous parlons de la situation à l'est du pays, c'est une situation qui nous demande énormément de moyens. Mais il y a des tournements. Des tournements en cascade. Apparemment, nos hommes d'État rivalisent aujourd'hui pour moi, c'est les coups de détournement. Tel a détourné 30 millions, moi je vais maintenant dépasser pour atteindre 42 millions, 70 millions. C'est un problème. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Moi, je pense que il nous faut une vision. Et la vision, ça, c'est la responsabilité de l'élite.
hein, de l'élite, parce que à l'élite congolaise de se mettre ensemble, redéfinir nos objectifs. C'est là où on tira pas bon. La vision, cette vision va nous permettre d'avoir une politique extérieure efficace, pouvant pratiquement nous permettre de négocier avec les autres. Merci au besoin beaucoup. De se faire, mais juste d'opérer même des choix stratégiques en termes de partenariat. Merci parce beaucoup. Que n'oublions pas, outre les États-Unis, oui. il y a aussi le bloc oriental avec la Chine et la Russie oui. qui peuvent aussi nous aider à mettre fin à cette guerre. Merci. Très souvent, nos politiques ont l'habitude de parler de partenaires, du partenariat traditionnel avec l'Occident et les États-Unis, mais ils oublient que le monde est en pleine redéfinition avec juste le leadership actuel. On peut pratiquement nouer des relations avec d'autres puissances Merci. Qui peuvent nous aider à garantir notre sécurité. Merci beaucoup, professeur Eddy Yeni. Merci beaucoup, monsieur Freddy Moulumba. L'émission... Non, il y a encore une minute qui reste. Oui, c'est pour la désannonce. Non, tu vas désannoncer, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, je voudrais vous dire ceci. Qu'on profite de l'arrivée de Trump, il sera président. Quand il sera élu. Il faut dès maintenant, dans 4 mois, qu'on prépare déjà des équipes avec des dossiers. Des travaux doivent être faits au niveau du gouvernement. Qu'on cherche les meilleurs d'entre nous, des spécialistes, des gens qui ont l'expérience, qui travaillent, mais aussi au niveau des universités, qu'on fasse appel aux théoriciens. Et tout ça doit se passer. Donc les débats doivent se passer dans les médias. Qu'on nous dise, si Trump est au pouvoir, on va travailler avec comment, on va travailler comment avec Trump. C'est important. Mais si rien n'est préparé, Trump au pouvoir, on va commencer par eux. Donc, c'est le moment maintenant. Je peux vous dire, dans d'autres pays organisés, les débats ont déjà commencé. Vous partez en Allemagne, vous partez en Chine. Si Trump devient président, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous venons à Kinshasa. Une sorte d'anticipation. Nous sommes encore rationnelle. Au niveau des querelles des personnes. Donc, quittons cette étape-là. D'accord. Entrons dans la véritable politique étrangère de notre pays. Merci beaucoup à l'équipe qui nous a accompagnés pour vous présenter cette émission. On se retrouve donc en ce qui me concerne mercredi avec d'autres invités. Au revoir.